Ça, Haïti a vivre là. Ça, pays a vivre là. C'est 2 millions Haïtiens qui sont conscients. Qui ont 100 papa de saline dans 20 yo. Qui remet Haïti. Qui pote Haïti dans le cœur. Effectivement, qui vous mettre dans la patte là. Pour regarder comment on va retirer Haïti dans sa que nouvelle là. Jodi, qui c'est lundi 9 janvier 2023. Haïti pas noir. Il n'y a pas un grand élu là-dedans. Vous comprenez ça veut dire? Il n'y a pas un grand monde qui est élu démocratiquement là-dedans. Il n'y a pas un grand monde qui a choisi pour mettre dans l'espace pour voir l'État, pour diriger comme peuple. Je dis, vous avez un seul mousquetaire, vous avez un seul voyou, vous avez un seul chef de gang, vous avez un représentant de la coalition d'assassins qui est dans la tête du pays là, ou pas contre là pour aujourd'hui, ou pas contre là pour demain, sauf qu'il est là. Pas qu'il moyen qu'il est là. C'est assassiner groupe Negrio, assassiner un président qui a été voté à travers les élections, qui a fait 22 mois de campagne, il a assassiné. Et puis criminel ça, assassin ça, vient occuper espace pour voir l'État. Il a fait l'argent, il gratte à consoud, chargé femme, il prend toute police et met des dolls, il prend petit col à mettre des dolls, il a sécurisé propre lui-même parce qu'il connaît que son pouvoir assassin qu'il a géré. Et puis masse peuple là, a fini en bas kidnapping. Gang a dépaloté jeune fille. Il a décapité moun. Tout moun a gardé ça dans le pays. Comme si m'ta dit non, pas gagné kap fait dans le pays qui mal. Pas de rapport doit humer encore dans le pays. Société civile pas sorti notre encore. L'église protestante pas sorti notre encore. L'église catholique pas sorti notre encore. Secteur vaudou pas sorti notre encore. Secteur artistique yo sa rele etchemay sa pas sorti notre encore. C'est comme si m'ta dit non, pays a pas de problème. Mais je dis la même qui c'est lundi 9 janvier 2023, et bien effectivement, ou pas de grand monde qui est élu dans le pays. Ça veut dire que naturellement, ou pas de chef. Si nous ton peuple qui respecte tête nous, ton écrasé, nous t'avons occupé tout espace pour l'État, et bien nous t'avons définitivement choisi monde que nous voulons pour diriger le pays nous pendant 4 mois pour réaliser l'élection, référendum dans le pays, ça, pour que nous choisissions monde. Dans l'élection pour nous mettre diriger nous. Là nous on rien on mal propre peut-être quoi Ariel Henry là comme soi-disant représentant qui pas gain pièce projet pays qui pas crasse objectif comme si pas rien comme vision. Li là l'a diriger qui ça l'a diriger ou qui était là comme peuple. Quelque part nous vinn sans honte. Nous vinn tolérant à l'extrême. Et ça fait que nèg ça au prêt pour faire nous manger n'importe ça monde pas supposé manger. Pour ça habiter nous. Ben toi là pareil. Effectivement, si nous mettons tête nous ensemble, nous avons une facilité pour nous détruire vieux zébio et nous avons une facilité côté que nous pourrons venir avec de nouvelles têtes et nous pourrons imposer tout quelque part. Papa ici, nouvelle cap domine actualité à qui s'allie. C'est exactement ancien sénateur Joseph Lambert, et hier qui était sénateur en fonction, Joseph Lambert, qui est président du Congo de Sénat, hier qui était sénateur, ça veut dire que sénateur Joseph Lambert a quelques heures depuis qu'il n'est pas sénateur. Ça veut dire depuis à minuit, Joseph Lambert pas chef, monsieur en panne chef. Et nous connaissons le nègre sa yo en panne chef dans le pays d'Haïti, nous connaissons ça, ça veut dire. Quelque part, ou par contre, qui sent que nègre prend, qui cause ou nègre, c'est des 6 000 à cap fait. Et mais justement, famille, amis, plateforme YouTube, Fubeto, depuis environ 10h30, il y a une photo que vous voyez bas nous. Il y a une photo que vous voyez bas nous côté que moi ouais et sénateur là, sénateur en fonction. Alors jusqu'à 10h 11h du soir, Joseph Lambert était en fonction. Vous voyez une photo pour moi côté que moi ouais yon franchement et monsieur là dans pile lui, monsieur là dans pile. Et Lambert semble un bête mettre là, Lambert semble un matériel, voilà dit on bagaille comme si Mnadjo, on bagaille mon construit avec comme si. Et franchement, franchement, on ne peut pas décrire Lambert. Mais sauf que Lambert l'aide à mort mettre là. Lambert semble un bête. Ça fait l'élite animal politique là. Oui, c'est son animal, oui, oui. Vous comprenez? Mais c'est son animal, son bête sauvage. Et moi, on voit une photo à moi. Et l'homme garde moi, c'est exactement Joseph Lambert qui gagnait un pansement. Sous yon nan zye li. Mwen li. Et mwen image lan. Mwen gade image lan. Mwen pren tan, mwen pren san pou mwen gade image lan. Et nou kapab wè lan sa ma vèm. Et parce que
gagnent plusieurs médias qui publient les qui mettent des photos. Mais moi, je ne peux pas permettre nous exactement ça que je gagne. Et naturellement, parce que ça, honnêtement, mais regardez ça ensemble avec moi, ça c'est sénateur Joseph Lambert. Après, ils ont éventuel, ou du moins, sont tout soi-disant attaque et que les subit et n'en met bandit et dans zone La Saline ou du moins dans zone Matissa. Et nous, ouais, ça, mais au fait qu'on est que sénateur là, victime. Et puis nous, ouais, image là, n'a pas essayé faire un petit commentaire sous image, ça peut pas ici. Et même pas nous mentir, nous avons pris l'information. Et naturellement, sénateur Joseph Lambert, tout de suite après, effectivement, décision que le Canada te prend, et puis appuyé par les États-Unis d'Amérique, côté qui aussi sanctionné et Joseph Lambert avec qui la tortue, monsieur Sayo, il te prend direction la Cayo, province la Cayo, parce que finalement, et comme Zimdadjo, son feuille banane, qui était jeune, qui était à fleur d'âge, qui t'a pépéné, puis qui a pépéné, vent à vous et la gauche à droite, et puis fait banane dans la vigne complètement fainé, et puis il commence à sécher, et puis il replie, il vient mourir dans le bout de la banane. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est travail, Joseph Lambert, ça, avec tout Youri la tortue. Nous, Youri la tortue lui-même, monsieur a fini tant qu'on crayon, ça a dépas fini sous pied. L'autre semaine, nous garantis, Youri a senti un bagage qui a gratté sous domaine, l'a gratté, regardez, ces bouts de chèque qui a sorti, petit chèque qui a sorti, petit pot, petit cal qui a sorti, parce que ça, il doit dépas fini, décapité sous pied. Faut que souffle en rete sous vous. Je voulais souffle en rete sous vous. Et ma prière, mon Dieu, dans celle-là pour ça même, pour souffle. Rete sous Lambert, pour souffle rete sous la tortue, pour qu'elle toujours batte, pour matin l'irrité, pour qu'elle toujours batte. Est-ce que vous comprenez? Mais pour rete à dépas fini sous pied, puis à désossé. Est-ce que vous avez dit là? Dépas fini complètement. Je voulais pour que monsieur rete existe. Et normalement. Parce que il y a des crimes qu'on fait en pays, toute nation, tout ton peuple, ou doit rete pour payer pour lui. Et je dis, pas de moyen pour criminel ça, ou pas payer pour ça qu'il fait. Pour la responsabilité, nous ne pouvons pas ici, 9 janvier 2023. Pas de chef dans le pays, pas de élu dans le pays. Si le pays n'a pas de sang, si vous ne pouvez pas de vis, pas de vice, pas de cocorate, pas de quoi voler le bagage, vous êtes écrasé, vous êtes envahi par le national, vous êtes envahi pour le primature, vous êtes envahi par le parlement, vous êtes occupé tout espace pour voir l'État, effectivement, vous êtes dit, mais qui est-ce que je choisis, effectivement, pour amener le pays à bon port, pour avoir une élection démocratique dans le pays, dans moins que 120 jours dans le pays, papa ici. Fois que dans des mots libération quelque part me dit tout moins est-ce que papa ici a oublié l'histoire parce que y a un peuple qui oublie l'histoire y a un peuple qui oublie le passé quelque part lui condamné pour le revivre et c'est ça que fait moi comprendre situation papa ici ça veut dire que moun ça yo cap vivre en Haïti surtout pour ça cap vivre dans l'oppression effectivement nous senti que son équipe qui moun qui oublie l'histoire oublie côté au sorti oublie origine comme peuple parce que sinon nous pas accepter ça cap fait là. Comment nous tolérer Ariel Henry dans tête pays à diriger là? Ou pas, attendez, il n'y a pas de mandat de Cali. Si nous avons une crasse de légitimité, effectivement, il tombe depuis 7 février 2022. Mais pour qui ça là toujours? Ou qui était là, l'appliquer les affaires courantes, la font groupe, nest millionnaire, nest qui était tout le président pour contre gaz, l'Iré Banayo contre gaz, nest qui était tout le président pour port privé, l'Iré Banayo contre gaz, nest qui était une toute qualité vieux contrat mal monté dans le pays, l'Iré Bayoli. Ça veut dire l'irrité, la diriger, la contrôler le pouvoir, la gérer l'État pour coalition d'assassins et pour tolérer ça comme peuple. Si nous pas de sang, si nous pas de vice, si nous pas de cocorette comme monde Bordeaux-Bresse, ton écrasé matin là, le conseil c'est Ariel Henry nous t'as pris la caille, les peuples haïtiens. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a attendu nous, il va regarder nous encore une fois, gens que nous connaissons. C'est toujours un plaisir pour moi pour que nous sommes avec nous. Et ça vraiment fait du bien. Effectivement, à chaque fois que nous connais, je vais partager mon petit moment ensemble avec nous sur la plateforme Banouan, qui est la plateforme YouTube InfoBeto, parce que c'est extrêmement important pour que nous venions partager ce moment ensemble avec vous dans le cadre de l'émission. Parce que vous attendez, vous regardez, et bien je garantis que vous avez besoin de vraies versions, faut que vous effectivement vérité, hein, parce que vérité n'est pas parlé de l'autre côté, c'est sur la plateforme YouTube InfoBeto, avec famille, amis, serviteurs pour l'an, petit paysan pareil, qui c'est InfoBeto. Jeudi, là, nous exactement 9 janvier 2023, qui fait nous exactement
18 mois, 2 jours, depuis que nous avons assassiné le président dans le pays d'Haïti, un président en fonction de la chambre de la Kali, et mes situations compliquées pour nous, je ne vais pas c'est qu'on a compris effectivement le président Jovenel Moïse a dit son zoo, poisson, les coquins dans la gauche. Et fou, contact section 9, montrez-nous ça à travers la musique, ça peut pas ici. Effectivement, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, dans pile dans nous qui peut comprendre le que président Jovenel Moïse a dit nous sommes aux poissons. Mais 18 mois, 2 jours après, effectivement, nous sommes capables de comprendre la définition aux poissons. Parce que si nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de camper là toujours, pour nous gommer, pour nous demander justice, pour un président de la République, qu'un groupe criminel assassin, rentre dans la chambre la Cali, assassiné, et même garantir nous, c'est qu'on y a. Nous avons pris un bon zo poisson. Parce que le dossier ça n'a pas de belle vague. Parce que nous avons à travers le dossier ça. Exactement. Si nous mettons dans la patte là, si nous gommons, nous garantissons nous n'a délivré le pays. Parce que tout le monde qui met tête ensemble, qui met le système ça sous pied, qui détruit le pays, qui réduit Haïti dans ça que le trouve là, dans le niveau ça, c'est eux-mêmes qui tuent le président du pays. Ça veut dire que nous-mêmes en tant que Haïtiens, si nous mettons tête ensemble, pour nous joindre la vérité, rien que la vérité, dans ce qui est pour avec assassinat président, et bien, je garantis nous, en vérité, 7 fois, 77 fois, nous avons toujours une délivrance pays automatiquement parce que nous avons connu tout nègre qui touille le président, effectivement, c'est au point d'Haïti là. Jacques, nous avons annoncé le peuple haïtien, nous gagnons Pascal ensemble avec nous depuis la Coupe d'Haïti, jeudi à la même, qui c'est 9 janvier 2023. Pascal en lien ensemble avec nous, grand pile dossier cap de l'actualité a. Nous une photo sénateur Joseph Lambert, en pile commentaire sur photo ça, quelque part tout le monde a dit film ça li mal monté, sénateur a gagne cop d'amel. Pour qu'il pas faire plus effort pour le faire monter. Ou du moins c'est le monde dans Hollywood pour te monter film dans plus bien pour lui. Grand pile monde qui grand pile commentaire. Pascal comment nous bonjour, comment nous bienvenue sur la plateforme YouTube FM3. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de qui côté ou attendez. Émission ça, de qui l'entendait. Et nous dit, nous c'est Pascal Viejus, depuis Port-au-Prince. Eh bien, nous sous Chanel Beto Info, Chanel qui, Tigo Chanel, qui l'a pour parler bagaille, Jean Louyer, pour éclairer chez population et pour Québec population informée. Eh bien, nous venons dans le pays d'Haïti, eh bien, toute lumière commence à faire. Tout le monde commence à comprendre son film qui t'a monté hier, côté sénateur Joseph Lambert, quel est temps avant mandat fini, il était choisi pour une direction et boulevard La Saline, il était alpoté, yon blindé, a été
messieurs Lio qui puissent continuer à travailler pour lui dans la République. Parce que je dis la question qu'a posé, est-ce que c'est le sénateur qui blindé ou machine qui blindé? L'autre dossier encore qui est dans la République, dans l'entreprise. Dans le pays d'Haïti, l'État dans le pays a dit tout le monde pas malade. Parce que si vous malade, vous êtes obligé de mourir. Parce que contre l'hôpital général, il ferme tout médecin en grève parce que vous n'avez pas recevoir un goutte, vous n'avez pas aucun matériel pour le travail. Eh bien, vous prenez décision, vous campez le travail jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, nous faisons dans la République. Eh bien, jeudi, c'est 9 janvier 2023. Eh bien, son date. Que tout le monde attend, yon dan, côté Parlement haïtien te gagné 10 païtil, 10 moun qui mêlent dans affaires sales, 10 moun qui pas d'après le anyet la République, eh bien, je dis ya, en pile nan nek sa yon, si la justice te campé, la justice te fonctionnelle en dan pays ya, TCPJ ta fait la rally, eh bien, on paquet nan nek sa yon, ta doué commencer à défiler, grain par grain, devant la justice. Pour y aller répondre à la question de la justice, à répondre à ça, yo reproche yo. Eh bien, nous allons analyser ensemble des formations ça yo, et nous allons parler de qui dit sénateur et qui parle au Parlement et qui est dans yo qui a des gros dossiers pesés sous deux yo, parce que y a un pile dans yo qui a déjà sanctionné par la communauté internationale là. Et il y a un pile dans yo tout qui a été reproché la justice. Reprocher pour passer question kidnapping, question tentative d'assassinat, et bien nous allons parler de qui sénateur ça yo, et nous allons gogré chaque grain de yo, et dans qui département yo de sorti, et bien nous dit tout le monde qui sont live là, c'est partager émission hein, pour tout le monde qui a informé, yo connaît qui ça a passé dans la cour pays d'Haïti. Très bien, Pascal, effectivement, Jean-Claude a rentré exactement dans l'actualité. Jodia, c'est 9 janvier 2023. Deuxième lundi janvier, nous connaissons exactement date ça. Livre dit en pile bagaille dans l'histoire peuple haïtien, sur la constitution pays. Effectivement, nous avons supposé rentrer et comme si nous avons un groupe parlementaire. Mais jodi là, c'est caducité parlement définitif. Ça veut dire que nous n'avons pas élu comme si qui, nous pas qui élu démocratiquement dans le pays. Ça veut dire que en général, nous n'avons pas chef embologique. Nous pas un chef, pas un lien qui a rapport avec la constitution qui a duré là. Les gens qui n'ont pas payé là, sont qui bravent, qui occupent l'espace pour voir l'État, ils prennent le d'assaut. Si nous avons un peuple qui te respecte tête li, maintenant là, tu as un bon bagage qui t'a fait. Il t'a fait nous regarder qui s'est passé dans le pays Brésil actuellement là. Nous regarder qui s'est tout passé dans le pays Sri Lanka dernièrement là. Ça veut dire que la population a un bon bagage qui n'a pas voulu, le mode de gouvernance n'a pas voulu. Effectivement, ça que vous fait. Sans que vous ne vous boulez pas craser, vous occupez espace pour voir l'État parce que c'est là avec l'agent taxe que vous faites et c'est l'agent taxe qui a payé le groupe Mounio, Mounio pas bon pour vous, vous occupez espace là. Effectivement, nous avons gagné 10 voyous, 10 voleurs, 10 pas sérieux, 10 criminels, 10 assassins, 10 kidnappeurs, 10 dealers de drogue, effectivement, qui ont occupé espace pour voir l'État en bas. Définitivement, le groupe Ravet Sayo, il a lagué pied. Il vient au niveau côté que, il ne vient pas carré encore. Il est obligé de lagué pied. Et. Ça que nous besoin, il faut que la nation connaisse qui est qui fait environ 12 mois à manger l'argent pays, à gagoter l'argent peuple, sans que vous n'ayez pas rien qui est utile pays, gaz l'État, machine l'État, 4 téléphones l'État, 4 pour faire maquette l'État. Ou quoi ça veut dire là, perdre tout bagaille net pour qu'on ait tout comme si c'est comme si n'a douze son parlement qui t'a fonctionné normalement, l'état paye normalement, tout frais au vini normalement, première résidence, deuxième résidence normalement. En nous bail pays non, groupe volant ça yo, groupe gang ça yo, groupe assassin ça qui te prend payer l'argent qui t'a gagoté l'argent pays ça et tôt ou tard faut que ça yo vomi l'argent ça bail Pascal. En nous bail pays nation non criminel ça yo Pascal. Oui, la pérapé avec 10 noms moun, j'en dis là, qui t'a mangé l'argent en l'État, qui t'a bénéficié de toute largesse en dans l'État, pendant yo t'a utilisé et privilégié, t'a utilisé machine officielle yo, statut que yo gagné pour être capable d'alimenter l'insécurité, faire trafic d'armes, faire trafic de drogue en dans pays. Eh bien, 10 sénateurs ça, qui est-ce que yo? Nous gagnons, n'a commencé dans le département ouest. Nous gagnons Patrice Pierre-Paul Patrice Dumont. Patrice et Dumont, pourquoi tu as l'air, Pascal? Nous ne pouvons pas avancer rapide avec elle. Et Patrice Dumont, n'a pas appelé la population, c'est un ancien connecteur sportif. Ok? Son nèg, justement, population haïtienne, n'a toujours eu un problème avec Mounsayo.
politicien akaïk sa yo, ravèt politik sa yo, ki sou sen politik lan, depi dik de tan ki pa yote le peyi an yen. Men pepa isen toujou beze de nouvel tèt. Yo beze de moun, normalman yo panse ki kapap vin reglo bagay pou yo, le ou yo kon ap pale nan sosyete ya, plus ou moun yo panse yo te kapap fè yo konfians, men popilasyon te plase konfians yo nan Patrice Dumont. Moun nan l'Ouest te aksepte pou yo te vote Patrice Dumont sou plize lot kandida. Men Patrice Dumont, se ou nan pi pase, se ou nan ki pi pase rye, pi blofè, pi audasye, ki fè environ 6 l'anè, la gagote la jen peye san l pa yote le peye an yen pepa isen. Senate l'Ouest, an avanse. Comme yon nèg qui était toujours à parler dans tout média, quand il était parlé comme chroniqueur sportif, il était bon participer dans en pile émission politique. Et son professeur aussi. Et monsieur était toujours à faire des promesses. Son nèg qui est société a espéré qui t'a pas fait des gros débats dans le Parlement, qui t'a pas permettre et Parlement travaille. Mais l'engagé, son bilan nul. L'image jamais voté ni en rien, il toujours qu'il y a une position abstention pour le café coquin. Et pendant, autant de l'été mettre sous pied un programme pour le ramasser l'argent, pour le construire stade, eh bien, pendant 6 ans qu'il est passé, eh bien, nous ne savons pas qui côté comme ça fait, nous ne savons pas qui quantité l'argent qu'il ramasse, nous ne savons pas dans quel niveau construction stade qu'il te promet que l'État baille payer même avant que le mandat fini. Eh bien, sénateur, ça, c'est un sénateur. Nous capable dit c'est un sénateur vaut rien, un sénateur qui pas utile nation en rien, mais qui fait 6 ans qu'a touché l'argent pays qui c'est Pierre-Paul Patrice Dumont pour le département l'Ouest. OK, là pour département l'Antibonite. Nous gagnons Gracia Delva. Gracia Delva est artiste, chanteur depuis environ alors n'importe 25 ans carrière et qui était député nan poste machin si m'a trompé moi nan machin de saline et si m'a trompé député machin de saline à deux reprises député son bagage tête chargée c'est comme si m'a dit machin de saline pas gen moun du tout pour c'est grâce à Delva pour quitter vinn député sous moun qui gen nan machin de saline en vérité ça me pensais qu'il était capable insulter moun machin de saline et ça qui vinn plus grave là peuple haïtien nous de connaître grâce à Delva non cité dans plusieurs dossiers. Pendant que nous sommes dans plusieurs dossiers, vous avez tu comme pigot vicieux, comme passé, comme pas honnête, comme voleur, comme drug dealer, comme kidnapper, comme trafiquant d'armes. Vous avez tu as besoin d'occuper l'espace parlement avec des voyous, avec des restes avec des tchouls. Mais sous plusieurs autres personnes qui sont compétents, dans le parti politique qui est AAA, ils choisissent Gracia Delva comme nègre pour le candidat au Sénat pour aller de l'poté valise, pour aller de comme si on a dit, fait balcon en bas, le par exemple, fait ça nous capable les séances coquins, séances vicieuses, séances pour protéger Boulos, protéger oligarques compris dans le pays, mais il besoin occuper l'espace parlement avec une équipe qui est incompétente, une équipe qui passe sérieux même Javel, une équipe qui vole même Javel, une équipe qui pas connaît rien, comme si on a dit dans la politique pays, il prend pour venir poté valise pour lui. Effectivement, papa ici, grâce à Delva, tu es député. Pendant 2 fois, malheureusement, dans le pays, il devient sénateur. Mais quelque part, je suis capable de dire honnêtement, moi-même, je suis conscient. Et monsieur de fait une déclaration, côté que je te félicite pour déclaration. Monsieur de tout bagaille. Monsieur de dit nous-mêmes, en tant qu'haïtiens, jeunes garçons, jeunes femmes, suspendre pour y, pas peur. Si nous continuons à peur, nous avons toujours gagné comme sénateur. Battre pour une bataille, pour ne pas gagner comme sénateur. L'homme, monsieur de fait une déclaration, ça, c'était dans Gary Henry, dans la radio, dans l'émission Boucanté la parole. Je suis étonné. Et je suis battu bravo pour monsieur, parce que monsieur est conscient. Parce que le place n'est pas là. Place n'est pas là du tout. Évidemment, il te fait déclaration ça. Et mes peuples haïtiens, Gracia Delva fait 6 ans. La pote valise en bas. Il n'y a pas rien que la brigue en bas. Et se comprendre, la gagote l'argent paysan. Non cité dans le kidnapping à plusieurs reprises. Non cité comme Cavalier Paul Cabo à droite, Anel Joseph, Negmacha Parelli. Kidnapping sous 100 000 voisins de la Caline en Vivi Michel. Non cité nous pas quatre dossiers. Jusqu'à maintenant, Gracia a continué à jouer balle. Pas de problème, Gracia Delva. C'est Gracia ça, peuple haïtien, qui fait 6 ans la gagote l'argent paysan. En avance, sénateur Latibonite. Sénateur Latibonite, nous gagnons département nord-ouest, Kettler Augustin. Voilà, bail moun yo dossier Kettler Augustin pour nous parce qu'il est très intéressant. Kettler Augustin, c'est un homme qui était candidat dans l'élection 2015, qui était réalisé sous Michel Matéli, li pas privé réalisé même pas quoi de même avant dernier. Quand il a pas utilisé popularité président Jovenel Moïse te gen dans Nord-Ouest, il a été élu dans l'élection 2016 comme sénateur département Nord-Ouest. Et bien, quelqu'un a dit ça,
C'est un homme qui est toujours à prendre des positions mi-figue, mi-raisin. Il y a le même président qui était élu, qui n'est pas élu sous bannier, qui était permettre d'être élu, parce que quelqu'un qui c'est un homme qui peut quand même caser dans la section communale dans le Nord-Ouest. Eh bien, sa popularité, président Jovenel Moïse, il était élu. Et c'est un homme qui était toujours à faire frappe pour sous président Jovenel Moïse, pour montrer c'est un monde qui n'a pas de bonne relation encore avec. Eh bien, par la suite, il n'y a pas de sénateur avec une quantité d'armes de guerre dans la machine, et c'est une machine qui est à l'aide, question kidnapping sous l'île. Et là, ça, la police est malmenée, monsieur, et après la police est malmenée là, monsieur pas de jambes dit rien, ni monsieur pas de jambes à l'côté plainte, ni inspection générale, ni devant la justice. Parce que l'été accepté quel qui lui coupable dans la question kidnapping. Eh bien, je dis à Kétler Augustin, c'est un ancien acteur qui t'a doué apparaître devant la justice à répondre à la question de CPJ pour lui dire qui ça le connaît dans le kidnapping qui est qu'on a fait dans la zone tellement 83. Très bien. Là. La coupé Chloé Pascal et. Sont capables de fixer position pour capable bien passer parce que dossier ça extrêmement important reprendre et ça va le dire parce qu'il était coupé son pas de sortir. Ah bien OK, nous dit nous gagne Kétler Augustin. Nous dit Kétler Augustin, c'est un homme qui était candidat en 2015. Mais il pas arrivé même en avant dernier. Et bien il t'a pas retourné candidat ensemble avec président Jovenel Moïse lorsqu'il était refait élection. Eh bien, Jovenel Moïse, qui a bénéficié d'une popularité énorme dans le département Nord-Ouest, eh bien, Jovenel Moïse a pris tout appui avec sénateur Kétler Augustin et Kétler Augustin est arrivé sénateur de la République. Mais, lorsqu'il a fini élu avec le président Jovenel Moïse, toute position qu'on apprend, c'est des positions mi-figue, mi-raisin. Il y a des jours, il levait, il frappait sous le président de la République. Là. Pour le montrer oligarchie, que son monde qui n'a pas une bonne relation encore avec. Eh bien, la nature a joué contre monsieur. Eh bien, il y a un pile kidnapping qui était fait dans la zone Delma 83. Eh bien, la police n'a pas le mettre à l'aide sur une machine. Et machine là, c'est une machine qui fait plusieurs kidnappings. Eh bien, la police n'a pas le mettre main sous. Kétler Augustin, il a stoppé machine non, il a campé machine non, il a joué des armes de guerre, des armes illégales en de machine non. Et là ça, la police était mal menée, sénateur, et jusqu'à présent, sénateur n'a pas jamais dit rien, jusqu'à présent, sénateur n'a pas jamais voté plainte devant la justice, jusqu'à présent, sénateur n'a pas jamais allé devant l'inspection générale, comme sénateur de la République qui est humilié, et bien ça montre nous, Kétler Augustin, dans le dossier kidnapping qui était qu'on a fait dans la zone Delma 83, il a gagné implication dans yo et nous connaissons, c'est une zone qui était réputée, côté qui était gagné en pile cas de kidnapping dans le moment que la police était lancée à l'aide sous machine, sénateur Kétler Augustin. Très bien, sénateur Kétler Augustin, on avance. Ok, nous gagnons le département Nord, Ralph Fetière. Ralph Fetière, bail peuple plan, dossier sénateur Ralph Fetière. Parce que nous avons campé exactement dans l'espace parlement, dans la cour sénateur République, il a les revolver, il a pété balle, il y a un journaliste malheureusement qui a reçu la cartouche à l'époque. Monsieur, vous avez connu que monsieur, c'est ancien commissaire police ou bien inspecteur police, pas connu dans le département de Nolan, il a révoqué monsieur pour voler pour passer rien. Bail peuple plan dossier, monsieur. Eh bien, j'en dis là, eh bien, Ralph Jean-Marie Fetière, eh bien, monsieur Tabay joué une révocation pour question de drogue, pour un paquet l'autre malhonnête qu'il a utilisé, couverture la police là, pour le défaire, il y en a révoqué. Eh bien, monsieur Tabay élu sénateur de la République, eh bien, lorsque monsieur Fin élu sénateur de la République, eh bien, au moment en bas, il y a des activités dans le Parlement, il y a des journalistes qui étaient présents pour couvrir l'événement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, M. Ralez Amli, comme son ancien bourreau, comme son ancien assassin, eh bien, il y a un journaliste, Diana Lio, chéri, qui est victime d'une tentative d'assassinat nommé sénateur Ralph Jean-Marie Fetière. Voilà, et Ralph Fetière, ça veut dire que monsieur son criminel né, soit n'est pas capable de camper en tant que sénateur de la République pour Ralez Amli, pour la tirer cartouche à gauche, à droite, dans le niveau qu'il a tiré là.
jusqu'à ce que journaliste victime, ça veut dire quelque part nous capables de comprendre citoyen ça. Ça veut dire que monsieur sont assassins, ils ont vicié, ils ont pas sérieux, qui fait 6 ans à gagoter l'argent pays a, qui pas utile pays a rien du tout, rien peuple haïtien, rete là, l'a gagoter l'argent peuple là. Me dit environ, ils ont fait environ 1 an la sous libre encore à gagoter l'argent peuple là, rien yo pas utile nation. Toute machine l'État dans main yo, quatre l'État, perdit IEM, frais, deuxième résidence pour résidence sous bagage net, tout c'est l'argent peuple, l'argent taxe nous qui n'a payé yo. Mais je dis, criminel ça yo, yo quitté parlement. En avance. Ok, nous gagnons département nord-est. Non. Wannick Pierre. Non. Wannick Pierre dans le département nord-est. Est-ce que vous êtes sénateur? Que moun, c'est là moun qui connaît nous ça, en de pays. Pendant le sénateur de la République, l'État est. Et agir dans nos nations, et pas des gens qui vraiment connaissent ça, parce que c'est nous qui puissent traiter la question de deal, la question de faire des bagailles imbattables, toucher l'argent de l'État, utiliser machine officielle pour régler les affaires payo, aller négocier la question de vote pour mettre le gouvernement, négocier bagailles imbattables. Eh bien, Wannick Pierre, c'est un nec qui était impopulaire, qui n'a pas représenté rien dans nos dés, mais qui était trompé, vigilance. Et président Jovenel Moïse, et nest a été appuyé sous popularité président Jovenel Moïse, et il était élu comme sénateur département Nord-Est. Très bien, très bien. Parce que c'est le mec qui va taper même casette et non section communale. Ça veut dire qu'il était utilisé comme sénateur de popularité président Jovenel Moïse dans le Nord-Ouest, et pour être arrivé comme sénateur de la République. Et puis là, on vient dans Port-au-Prince, il n'y a pas face président, c'est deal qui vous faites pour voter. Yon budget, c'est deal qui vous faites pour voter politique générale, yon premier ministre, comme si c'est pas extrêmement grave, oui. Et ça cause et Wannick Pierre, il faut qu'on jamais monte tribune pour prendre position un jour. C'est le deal en bas table fait. C'est pas sérieux, bluff. 6 ans à gagoter l'argent de ton père. On avance. À gagoter l'argent de l'État et qui pas régler en rien pour le pays. OK, maintenant département de Nip, nous gagnons Denis Cadeau. Qui est-ce qui Denis Cadeau? Denis Cadeau, c'est un ancien TAD, ministère de l'Éducation nationale. Les pas de l'éducation dans le pays, n'a regardé pour nous, est-ce que c'est des nègres qui a pris des bagages sérieux? Ça veut dire que c'est des nègres qui étaient dans le système éducatif là, qui n'ont pas de gens vraiment productifs. Ce n'est pas un équité qu'on a réglé de grandes choses, parce que si nous, je dis à comment système éducatif nous en, sous la grappa. Et bien, ça y est, il y a une participation par là-dedans. Et bien, monsieur Dabrel, élu sénateur département NIP. Et bien, comme il y a un cadre dans la question d'éducation, monsieur Paris, je me lève petit bouette un jour pour prendre position, pour demander de mettre compte dans le budget pour l'éducation. Il n'y a pas un jour et venir avec un projet et une proposition et de loi sous question éducation, en y est pour ta réforme qui fait en dans le système éducatif là, et Denis Cadeau, il est plus contenté, chita en dans le Parlement, gagoter l'argent, et utiliser privilège, et puis capable faire couverture pour des dealers de drogue, faire couverture pour des trafiquants de zam, et bien c'est ça, next out, t'as réglé au niveau Parlement haïtien, qui c'est Denis Cadeau, et sénateur département de NIP. Voilà, Denis Cadeau, sénateur département NIP, pas oublier, peuple haïtien, nous parler de NIP. Nous parlons de la caille commissaire et Jean-Ernest Muscadet, ok, et qui était un groupe gang qui t'a éradiqué le département. Même capable de tout, nous capable de blaguer petit bagaille pour Denis Cadeau tout. Si nous capable de gagner Denis Cadeau et comme alors si nous capable de gagner commissaire Muscadet toujours comme commissaire gouvernement dans le département de Blanc, monsieur jouait en pile pour t'aider Muscadet arriver là parce que j'étais très proche Jovenel Moïse. Et le président Jovenel Moïse t'a pas rentré dans Port-au-Prince avec commissaire Muscadet. Et sénateur Denis Cadeau, t'es campé par contre président Jovenel Moïse. T'as dit président, si vous rentrez Port-au-Prince avec Muscadet, nous garantis qu'on a perdu département. Parce que Nenel Kassi a pris un département encore. Et monsieur a pris gangsterisé dans le même niveau encore. Parce que Nenel Kassi, pour la laisse dans le département NIP, pour le circuler dans le département NIP, il faut que le gang Chalon existe. Faut que le gang soit opérationnel. Denis Cadeau te dit, nous pas qu'à supporter. Nenel Kassi tellement bas dans le département, c'est seul Muscadet qui est capable de camper là pour éradiquer le groupe gang qui prend le département ça en otage. Et bien effectivement, nous sommes capables de dire bravo pour Denis Cadeau quelque part parce que monsieur aidé nous kembe Muscadet dans le département NIP. On avance et Pascal. Oui, ok. On avance. Nous, dans le département et sud-est. Sud-est. Maman Pemba. Nous gagnons Joseph Lambert.
Là, nous dit Joseph Lambert, nous sommes capables de dire animal politique là. Animal politique. Si nous oublions de dire animal politique là, nous avons dit sénateur qui fait 25 ans l'abservi Mounio. Qui Mounio est? Blanc yo. Qui blanc? Blanc qui a crasé pays. Eh bien, Joseph Lambert, ça, c'est un monde qui nous toujours cité nos paquets de bagailles sales. Qui bagaille comme ça? Ce n'est pas Jodia que nous Lambert a cité dans la question trafic bon. Parce que faut le rappeler pour tout. Et moun qui sous Chanel Info Beto yo, eh bien, Joseph Lambert, ça c'était bon ami Florel Célestin. Florel, écoutez bien, reprenez ça pour Nation encore parce que il est extrêmement important. On parle de sénateur Florel Célestin, son sénateur en fonction que tu es venu prendre en bas dans le Parlement. Faut d'abord dire peuple là ça, oui. Faut reprendre ça pour peuple là encore. Non? Oui, ça veut dire, monsieur, c'était Zami, bras droit. Sénateur, frère Célestin, qui dit que vin maré au club pour question trafic de drogue. Ça montre Joseph Lambert, tout le monde qui s'en mêle, c'est ne qui n'a pas. Nous ne pouvons pas étonner, je dis que Joseph Lambert, lui, dans le collimateur international, lui, dans la question de drogue, et il dit, et d'après rapport département d'État, sous question Joseph Lambert, là, Joseph Lambert, qui plus passé yon 20 années que la fête question trafic de drogue en un pays. Et aussi de nos sénateurs à tout, nous avons paquet cas d'assassinat en un pays. Et ça veut dire son sénateur qui est toujours mêlé dans le bagaille ou loin, yon sénateur qui parle l'homme bat pour le bagaille pouvoir. N'a pas rappelé, en 2011, lorsque le mandat sénateur Joseph Lambert et Yuri Latortue, mandat Nexa ou pas fini, qui ça Nexa ou fait, n'est-ce pas été obligé. Prend valise, voye Keyo et al rejoindre Michel Matéli dans le palais national comme conseiller Michel Matéli pour être capable de protéger Tetio pour empêcher la justice avec Dié saisir Contio pour mauvaise affaire, saisir Contio pour question trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'armes, assassinat que yo fait en deux pays. Très bien. Et n'a pas ajouté ça pour la population hein, parce que c'est très important. N'a pas rappelé que. Et Joseph Lambert, qui était le jeune Michel Matelia, Joseph Lambert, c'était coordonnateur général parti politique Unité à l'époque. Unité sous avait dit, tout territoire. Unité était comme candidat à la présidence, Jude Célestin. Ok? Jude Célestin, candidat très puissant en 2010. Eh bien, candidat ça, peuple haïtien, il était arrivé à la tête dans l'élection. Eh bien, normalement, blanc, t'as pas demandé. René Préval, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Pacha Vob, Elisabeth Préval et équipe, toute l'autre coalition gang qui entoure Préval, yo, cap sous ces pays, hein, il t'a pas demandé de yo, et pour yo faire retrait avec candidat ça, résultat élection ça, ou pas Kembel, parce que c'est pas résultat ça que vous voulez. Selon ça, Joseph Lambert dit, mais quelque part, nous te voyons que, il te fait retrait candidat alors retirer Jules Célestin dans course là Matéli qui bat même 4e même yo prend yo vinn metel et alors nan soit en premier ou du moins en deuxième avec Milan Di Polite Maniga et c'est là tout quelque part en pile monde dans société haïtienne et dans diaspora t'as pas quelque part on dit gens gain problème avec madame Maniga parce que si ou non course électorale gon résultat élection qui baille ou deuxième dans course là Jules Célestin en premier et ben justement yo di ou konsa ke, yo a pou retire candidat ki en premier, ou accepter que ou retire l, ou accepter pour yo pou candidat en 5e pour vinn mete nan deuxième tour élection sa avou, yo di madame Maniga pa un moun ki honnête. Et c'est depuis le ça, en pile interrogation clamée sur tête madame. Et fan disait pas n'importe qui moun, yon professeur de droit constitutionnel. C'est exactement moun ki connaît constitution bien. Il connaît ça la loi dit. Il, en violation de loi de décret électoral là, eh bien, il était choisi à l'élection dans le deuxième tour avec Michel Matéli et qui n'a pas permettre Michel Matéli de vivre dans le pays pour éviter légaliser ça ne les bandits en dans pays pour transformer les sociétés en société de bandits en l'état délinquant. Bandits légal. En avance, on continue avec l'autre groupe et avec criminel, sénateur pas sérieux, sénateur bluffeur. Nous allons aller pour le département sud. Département sud, François Sildor. Ok, François Sildor. Très bien. François Sildor, son nèg qui a arrêté. Parce que nous-mêmes, nous avons une bataille pour une nouvelle constitution. Pour intégrer les gens qui gagnent l'autre nationalité. Yo. Par exemple, si mon c'est haïtien, haïtien qui est fait dans le pays. Mais par une circonstance,
et permettre lui prendre une autre nationalité pour permettre lui intégrer politique pays, mais ça pour qu'on fait constitution jusqu'à présent pour qu'on reconnaisse ça constitution que François Sildor est élu sous l'IA. Eh bien son est qui élu Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper dit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Il y a eu ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gabon parce qu'il est plus puissant. On avance si nous gagnons deux jours. Nous gagnons encore, c'est et nous parler pour département et Grandance. Département et Grandance. Très bien. Nous gagnons département nous Grandance. Nous gagnons et sénateur et sénateur Grandance. Là, c'est wow. Tellement les ça aussi des inconnus et tellement c'est inconnus et m'a rappelé sénateur. Sénateur Grandance, c'est grave, oui, vous nous avez dit sénateur pour nous parce que pas connu. Oui, sénateur, oui. Après, sénateur, ça vous passe l'on et Wani Pierre avec sénateur Grandance, parce que c'est lui-même. Jean-Rigo Bélisère. Jean-Rigo, exactement, Rigo Bélisère. Jean-Rigo Bélisère. C'est tellement, nous, ça vous tellement, c'est un cauchemar lié pour nous qui fait me lier, nous, là. Parce que, ça vous, c'est une déception. Pour la République, même si mon population pas contre nous, mais nous même qui informer nous qu'on nous connait nous, mais tellement nèg yo mette ou même comme acteur mette sous choc, même nous oublié. Et bien Jean-Rigo Bélisère ça son sénateur qui passait inaperçu, il y en a qui parle réglé en dans sénat de la République là, et bien c'est mettre tête li avec l'autre et voyou pareil li yo négocier poste parce que c'est nèg ça qui était toujours après question et avant de voter le premier ministre faut boulanger en main yo il va faire débat sous politique générale premier ministre non tout simplement depuis négociation fait avant vote là il va au ministère ba au l'argent et bien jour séance là premier ministre va même besoin de politique générale là et bien pendant la politique générale là le gars de Jean-Rigo Bélisère l'a dormi et bien le premier ministre fin li et énoncer politique générale là, et bien, tout simplement, les voter, et bien, ça, c'est corruption, c'est vol, c'est alimenter insécurité. Et bien, qui est capable de dire, en résumé, sous parlement ça, et bien, législature ça même, pour ne pas dire seulement 10 sénateurs ça y pour ne pas dire seulement 10 sénateurs ça y législature ça, c'est législatif qui est plus bandit là-dedans. Plus bandit légal, plus drug dealer, plus pas sérieux. Vous comprenez ça qui est important là? Plus assassin. Avant que vous avancez, pas oublier ce que vous avez dit, Pascal. Il est très intéressant. Pour nous, l'autre reste 19 volants. Il faut que nous tabayons le peuple haïtien, non et tout. Et comme si nous avons deux degrés d'implication dans ces dossiers louches. Est-ce que vous comprenez? Il est très intéressant. Eh bien,
un point département la Tibonite. Il y en a un collègue allié et Cocoday et Joseph Lambert. Il y a la tortue. Et bien, c'est un sénateur, plusieurs journaux dénoncés, Wikileaks dénoncé comme homme politique qui pis assassin, pis méchant, que le pays d'Haïti a connu, qui participe dans un paquet de bagailles de wall, un paquet de bagailles wang, non cité. Et je dis à sénateur ça, lui, sanctionné par communauté internationale là, côté, je dis à sénateur, a fait un silence absolu, un silence de cimetière, côté personne moun pas attendre existence sénateur Youri la tortue parce que li connaît sa communauté internationale la reproché là yo gen ensemble de preuves bien donné pour yo ça fait ou il disparaît ou gagne toujours département de la Tibonite ou gagne Karl Murat Cantave et bien Karl Murat Cantave qui ça le qu'on a fait en dans parlement c'est de faire gougoche pété goumen négocier bagarre en bacab à répliquer la question pour les cailles parce que non monsieur cité dans pour les cailles diaspora yo que mon yo bati monsieur est utilisé influence li comme sénateur pour le voler caille diaspora ou redi et nan glace nan neige pour conçu et bien monsieur sonnet qui était pendant pas sénateur tellement son vagabond même une servante qu'elle était la gaille li que t'a travaillé combien de temps avec li que des servantes là li roule servantes là en bas coup de bâton ça veut dire nous capables de connaître qui est-ce qui est en bas. Ça veut dire qu'ils sont immoraux, c'est un assassin, c'est des voyous, c'est des mouns qui pas doué en dans l'espace et parlement. Ça veut dire que nous sommes capables de dire que c'est des mouns qui à l'état sauvage. C'est des hommes, nous capables de dire, qui plus que hommes et dans le niveau, nous capables de dire, c'est bête féroce. C'est pas des nègres qui boutent sous moun pour faire loi, pour prendre des positions dans nos nations. L'en parler de Karl Murat Cantave. Très bien. N'a pas ajouté ça pour la population. Peut-être que grand pile monde qui va connaître ça. Karl Murat Cantave, en bon créole, papa, ici, monsieur son massissi. Ok? Monsieur son massissi, monsieur son nèg qui est un garçon, monsieur son fitou. Ça veut dire que monsieur son nèg qui n'a mangé feuille. Ça veut dire, you know, nèg c'est un grand monde qui a mangé feuille. Monsieur son nèg qui n'a mangé feuille. Monsieur pas sérieux. Ça m'a dit, nous là, c'est bon. Il y a bon genre d'information. Sous Karl Murat Cantave, monsieur son nèg qui a mangé feuille. Non, mangé feuille là. Non, mangé feuille là. C'est n'a des gars qui ont mangé feuille. Oui, Patrice Dumont, son mangé feuille tout. Oui. Son mangé feuille tout. Patrice Dumont, mangé feuille. Nous gagnons Gracia Del, va manger feuille tout. Ça veut dire négocier vos hôtels. Son balman, Beto, tu as toute qualité et qui n'a pas de là-dedans. C'est pas le qui puissant qui passe dans l'histoire et parlement haïtien. Puis pourri, puissant qui mettre là. Puis pourri. C'est pas grave, oui. Bon, en avance, on a regardé dans le département nord-ouest. On va nord-ouest. On est dans la Tibonite, on fait un coup de pied dans le nord-ouest. Parce que nord-ouest, expliquez-nous. On fait un coup de pied dans le département nord-ouest. Dans le département nord-ouest, nous avons deux noms. Nous avons gagné, nom de Louis. On a dit que ça a songé son nez qui était utilisé, non, une dame, pour décaisser l'argent, mettre l'argent sous ouvrir un compte, sous nos malheurs là, et mettre l'argent sous compte là, et chaque coup de besoin de faire décaissement, lui conduit malheurs là, dans la banque là, décaisser l'argent pour lui. Et le dossier a tombé tomber dans mes DCPJ, et même qui ça, monsieur, a fait, monsieur, utiliser tout privilège qu'il gagne, il utilise puissance, il utilise et parlementaire qu'il y a, il fait pression sous des CPJ, parce que nous connaissons des institutions, ça, c'est pas des institutions qui font travailler, qui gagnent liberté de faire travailler, eh bien, il t'a pas fait craser dossier ça pour lui devant des CPJ. Ça veut dire son aide qui participait dans la question blanchiment l'argent, dans la question corruption, folle en dedans, Sénat de la République là. Très bien. On avance avec l'autre plus voleur toujours parce qu'il est très intéressant. Parce que... Nous gagnons tout département nord-ouest. Nord-ouest. Nous gagnons net l'huile là. Avec des débines de l'huile là. Bon plan. C'est sénateur Évalier Beauplan. C'est net l'huile là. Et bien net l'huile là, c'est un net que tout le monde n'a pas besoin d'oublier. Il y a un net qui dit pour mettre l'huile dans mon canapé vert. Il y a un monde qui n'a pas même besoin de l'huile là-dedans. Qui a eu un accident tout fait là-dedans. Et bien, monsieur dit, tout grand axe, tout côté qui a eu route qui fragile, ça c'est badigeonner avec l'huile. Et pour l'huile, ça les machines à passer, pour machines qui a fait accident, casser pour le monde, pour le utiliser comme, c'est ça qui est utilisé comme ZAM de combat, et pour te faire pression sous le président Jovenel Moïse qui se sorti dans le même département avec elle, pour être capable de négocier comme acte pouvoir, parce que, et pour être capable. Fait travail pour cela, dans
oligarchie pour être capable de faire travail bossli dans la communauté internationale là qui pas d'accord avec et président Jovenel Moïse. Et nous connaissons, si on est qui était élu, premier mandat qu'il t'a prendre, il t'a élu sous bannière famille la balance dans l'élection 26 novembre 2000. Il y a une élection pas grand pile monde qui votait là-dedans. Il y a une élection, son élection fouée, mais prend le dé. Ça veut dire même que je ne peux pas parler de 21 mai 2000, 26 novembre 2000, eh bien, c'est des mascarades électorales, eh bien, c'est nos mascarades électorales, et voilà, Boublan, t'as pas élu pour la première fois comme sénateur dans le département nord-ouest. Eh bien, si on est qui parle de grandes choses pour le pays, hein, c'est plus des actions malhonnêtes, des actions criminelles que M. était toujours à poser en le pays. Hein. Fait des beaux menaces et le regarder comme bilan. Dans le département, on n'est pas fait dans le département. Et ouais, malgré tout l'effort que le président Jovenel Moïse a fait dans le département, au lieu de sénateur Evalier Beauplan, qui est un homme qui était très proche et président Jovenel Moïse, il a choisi de camper en face du président Jovenel Moïse, au lieu de mettre tête avec le président Jovenel Moïse pour te développer le département, pour te gagner des gros projets qui exécutaient dans le département nord-ouest pays. Et ça que vous ajoutez en plus, et nous capable dit président Jovenel Moïse était tellement voulu collaborer avec tout groupe avec ça yo Jovenel Moïse était offert ministre pour le ministre il offrait 95% pouvoir il était pas monsieur Mossa et puis comme tout ça qui est grave là ça nous doit aller pour la population parce que là nous parlons nous-mêmes nous parlons avec des preuves et à l'appui parce que nous c'est info bientôt parce que vérité là nous doit et des populations entendent et comprennent yo qui s'est passé sénateur Evalier Beauplan après assassinat président Jovenel Moïse Monsieur Tevin a confessé péché, c'est comme si m'a dit, son criminel, tout assassin, il vient à dépaler. Oui. A dépaler pour le regretter, il était de bonne foi. Bientôt. Très bien. On parle pour qui raison il a confessé péché là, parce que les gens du Nord-Ouest étaient tellement attachés avec le président Jovenel Moïse, comme lui-même, il a besoin de votre population Nord-Ouest là, il est obligé à confesser péché. Eh bien, pour mon ordre, pour te tromper, vigilance, mon département, puis au cabal, on a l'autre mandat encore pour aller continuer à faire brigandage en le pays. C'est l'objectif, ça, ou elle a confessé échelle, il a dit toute bagaille. Ça fait avant le président de mourir, dans l'époque, il a fait, et la table signe, la trouble, il a fait Zach Malhonnête en le pays. C'est à un moment, ça, il a déclaré ça à la nation. Et là, ça, plus ou moins, société a été pardonné, monsieur, pour toute action malhonnête qui fait, au moins, elle a combattu pour le pays. Pour qui ça, c'est après l'assassinat du président qu'elle fait déclaration ça. Attendez, vous connaissez là, ça qui est important, la population attendez, alors, si vous déclarez ça qu'elle te fait, Evalier Beauplan peut pas ici, entendez ça. Jovenel Moïse, regarde notre fond. Pendant le pays local, Jovenel Moïse, regarde notre fond. Il dit, sinon, que ma habitude dans nos deux, c'est une bombe. Moi, avant, pas de arriver là. Ou c'est des nord-ouest pareil. Mais faire certains nègres font participer dans le fait pour voir la même. Ou t'es besoin de mettre ma genou. C'est où capable de nègres pour le faire. Quelle humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je suis prêt pour me battre 95% pour voir. Pas la nègres pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas la nègres pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes pour m'aller. Je me dis, où dans le téléphone, je me dis, président. Je dis, président, je vais le faire un bagage. Comme je me dis là. Ne pas croire que moi et ma volo qui fait parler ça sur question ça. Ma fond, on l'appelle. M'invite tous les amis. Venez là moi. Nous chita ensemble. Je dis, monsieur, m'a obligé de mettre le président sur speakerphone pour me faire reprendre le message. Mais ça, qu'est-ce qui était là? Non, l'invité, où qu'on est. Depuis que je dis, où qu'on est les grands ténors de l'opposition. Tout n'est capté du président Jovenel. Et mon plume avec papier dans mes nègres, il y a mis des questions pour me poser. Et tout n'est capté. Quelles questions t'es posées? Je dis, président, tout le monde dit c'est ma toi. Qui garantit-moi que si au moins nous retractons, si au moins nous obtempérons, que va marcher dans le chic là? Qui ça, président, répond? Monsieur Tim, je veux l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, mais je ne peux pas croiser avec vous. Je ne peux croiser dans notre ouest. Fais ça pour moi. Et il est entré dans le petit. Et je dis, monsieur, nous avons deux choix. Si nous pas accepter marcher, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur t'a coupé son couleuvre qui est en datou li. Et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et me dit, monsieur, mais qui garantit ce gagne puisque c'est l'international qui a sonné? Monsieur dit, on ne met pas la tête avec contact. Vous comprenez ce qui passé? Dernier appel à Jovenel, monsieur finit de retourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Je dis, tu as eu le président au téléphone, je dis, bien sûr. Je viens toucher celui qui parle au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, mais ça dit. Ok,
nous derrière ça là. Moi réunis l'opposition encore. Les gars disent, c'était l'ambassadeur qui relève. Moi démission au nom de qui est-ce qu'il a parlé. Moi relève, monsieur encore dit la parole au nom de toute mission diplomatique. Pause. C'est plus important. Sénateur, pause. C'est-à-dire, le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire, le problème, il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, c'est la vérité. Le problème était l'opposition. Pas 40 années. Il y a madame pour moi, ambassadeur. Il y a pensé qui à la base de problème là. Séance tenante, moi, il est ambassadeur. Moi, il est section politique là. Il me dit, moi, je vais rencontrer tel ambassadeur. Il dit, moi, sénateur, c'est difficile, donc il y a urgence. Il y aurait l'ambassadeur, mettez le solide. Ambassadeur Evalia, c'est comme ça. L'ambassadeur Evalia, dis-moi. Il dit, voilà, il y a urgence pour que moi, je rencontre. Il dit, Evalia, viens chez moi, vendredi. Et l'opposition, vous cherchez quoi alors? C'est ça le problème. Moi. Et je dis, c'est un problème que moi, je devine avec l'opposition. Et ni moi, ni Kélimassien. Une autre petite question que je me posé. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bar ou même, ou bien sénateur qui Bastien. Ça, c'est dans des moments. Je ne parle pas de l'opinion. Et puis, l'ambassadeur, pour qui je me finis ça, en seconde. Ambassadeur invité à la réunion vendredi. Il dit, je suis seul. Parce que je suis un langage diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je n'ai pas autant d'île. D'arriver, nous chitons en Paris. Question de culture diplomatique. Bien sûr, il dit, Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre direction? Bon, oui. C'est l'élection, ça a accouché Jovenel, oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'à dire, même élection, ça n'a pas bon, Jovenel, pas bon? Il dit, non, pas quoi. Il dit, mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit la Jovenel, et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il dit, je ne peux pas prendre responsabilité. Il dit, prends téléphone, il faut Yuclo avec un collègue. Je fais Yuclo à téléphone, il ne va pas marcher. Il dit, si que, ou accepter marcher, m'a fait Jovenel venir là, qu'on a, pour même avec Jovenel, au nom de l'opposition. Ce qui n'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire, restez dans l'opposition, hein? Pas d'accord pour faire ça. Non, j'étais, monsieur, je suis tombé quand même. C'est ton illusion, je suis tombé quand même. Nous mettre continuer à peser, mais je suis tombé quand même. Donc nous passer 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous arrivons là. Et puis finalement, en 2019, après un pile échec, que chaque fois que je fais ça en réalité, je ne peux pas avoir des résultats. Parce que je monte au Congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés, je parle, je porte message, dans toute ambassade, je porte message. Il a toujours dit qu'il faut me jouer en tente, il faut me rentrer dans un dialogue, il n'y a pas qu'à aller chez mon président pour mettre nous comme civil. Mais donc, finalement, je ne suis pas capable, 2019 en décembre, m'éviter toute opposition à la Cameroun. Maintenant, l'homme dit toute opposition, tout pour me connaître. Diopod. Non, pas Diopod. Les femmes de la SCP. Secteur démocratique et populaire. Les plus importants. Les dirigeants. Je dis, monsieur, on dit non. Nous avons route ensemble. Nous sommes les trois facettes. Nous avons facette diplomatique. Je me suspecte que nous avons fait échouer sur le terrain diplomatique. Nous avons facette politique. Je viens de croire que nous avons presque échoué sur lui. Nous avons un grand bagage que nous avons dit avec nous, facette militant. Si je abandonne la bataille, je suis en train de dans la route là avec nous pour me faire preuve de fidélité, même si je suis perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais silence? Bien sûr, je me dis que je perdu parce que ça n'a fait là, il n'y a pas aucun livre de sens politique. Bon, posons une question, sénateur Evalia Beauplan. Et vous-même, qui ça vous a cherché? Vous pensez peut-être son illusion, d'où ça déjà? Je ne sais pas méchant, vous pensez que je venais la tomber. Capitulation totale. C'est qui Jovenel tombé. Moi, en dans mon diplomatique, moi, pas vrai quand Jovenel tombé. Bon, me pose une question directe encore, et maintenant que Jovenel tombé, il est encore dans la rue. C'est ça, voilà, ça fait ouais, c'était illusion. Il ne pas même parler pour nous absorber le choc, ça a fait. Pas même tombé, assassiné. Assassiné. C'est que nous ne pas parler. La preuve, on est bien grande société à assister nous. C'est qu'on est en pile, on a dit, ah, Beauplan, tu as raison, quelle était la raison, tout le monde a raison. Beauplan, tu as raison, quelle était la raison, président assassiné. Pascal, il y a un président qui t'a rampé. Alors, un président qui fait 22 mois de campagne, effectivement, qui court dans toute tête monde, dans toute section communale, qui pile loin dans le pays, qui rivait et gagne l'élection. Sous environ, plus, alors plus passé 50 candidats. Président, ça, il y a une situation dans situation côté que il y a un boulon pays. Président, il y a un crasé pays. Qu'on a senti que ces zones ont besoin, ces pouvoirs ont besoin, c'est l'argent ont besoin. C'est ça que le président Jovenel Moïse pense. Il dit clairement, bon, je prends un moyen, je fais un complot avec M. Sayo. Parce que c'est le pays qui a besoin de livrer. Pascal, ou bien on bricote là, ou bien on bricote là, on va connaître. Oui, oui, oui. Voilà. Et justement, le président a pris un pays. Ou imaginez un président de la République offrir l'opposition politique là, 95% de pouvoir. Ça veut dire que deux premiers ministres là,
avec tout gouvernement, la bannière tout net pour juste rester comme président, pour nous organiser, nous, pour nous faire élection dans le pays. Tenez bien, oui, l'opposition politique là, lui dit que, lui pas contre ça, n'est-ce pas chercher, mais non, mais qui est de ton pays tombé. On équipe moun qui par contre qui ça que l'a cherché, ça veut dire que son bataille politique, yo pas sous compte tête yo, yo pas prendre sur pour tête yo, son groupe oligarque puis gang criminel qui fait bouler pays, qui fait craser pays, qui fait détruire peuple, imagine bien, il fait 4 mois pays lock. Si moun pas calé l'école dans pays, l'a cherché connait, l'a garder petit tout ravette ça yo, tout ti reste avec ça yo petit yo à l'étranger, yo détruit pays. Parce qu'un petit commentaire. Eh bien, qui ça fait m'a prédit là encore, sénateur lui-même qui fait toute déclaration ça yo. Li avili tout cavalier Paul Kale, tout vagabond pareil li yo qui te monté parce que groupe ça te dans opposition hein, c'est pas des monde qui te on tant pour qu'on est opposition fait dans tout pays mais c'était une association criminelle, une association malfaiteur, une association de voyous, des apatrides qui ont été parce que bataille qui n'est pas menée, c'est pour une bataille qui n'est pas d'accord avec Jean. Pour le dit qu'on s'abonne, ok, dans tout pays, j'ai opposition faite. Par exemple, si le président font erreur, parce que c'est l'homme qui a dirigé. Effectivement. Parce que lorsque c'est l'homme qui a dirigé, tu as une erreur qui fait. Parce que l'opposition dans tout pays, il est là pour faire proposition, pour demander pouvoir pour faire des corrections et pour permettre pouvoir de travailler. Parce que pas aucun pouvoir qui travaille sans parler d'opposition. Mais là, ça, c'est pas ça qu'on a fait, non? C'était monter un groupe opposant qui était objectif pour raser le pays, hein, pour être capable de régler le contentieux qui a été gagné avec le président Jovenel Moïse. Eh bien, mieux non, mettre au gagné avec le président Jovenel Moïse dans la question contre la route, contre la courant. Eh bien, son un esclave qui va agir pour mettre qui c'est Dimitri Vob et Reginald Boulange, Chérif Abdallah et Reynold Dib et Bossan. Eh bien, c'est pour nous qui ont travaillé. Et les, si son opposition qui a travaillé pour Tepli, lorsque le président Jovenel Moïse a fait appel à vous, vini chita sous table là, vini, m'a partagé pouvoir, m'a donné tout pouvoir, Eh bien, qui ça vous a fait? Vous avez fini pour pouvoir, et puis vous avez mis tête avec le président, et puis vous avez exporté changement pour la population, pour te permettre des projets à terre, mais pas ça non. L'objectif, c'est d'écraser, briser, mener le pays dans l'état nouvel aujourd'hui, dans l'état côté pays à ceinturer, pays à lui-même cadrer avec le groupe armé, je dis à côté pays à salte pour groupe indigent, je dis à côté pays à moun pas à manger, si moun pas à l'école, c'est un pays qui a une situation difficile, qui a un extrême chaos. Eh bien, c'est dans ça que tu as besoin de conduire le pays, mais ce n'est pas une opposition que tu as fait pour te changer, pour te de changement en le pays. Très bien, mais ça que pour la population comprenne tout, le, nous sommes capables de prendre un exemple, bon côté frontière, la République dominicaine. En République dominicaine, passation de pouvoir toujours bien fait. Jean nous, la République dominicaine, il y a une opposition là-dedans, une opposition politique qui travaille très très fort, mais qui contraire par rapport avec ça, nous capables de brûler. Opposition politique en fédère. Parce que Haïti, pas de politique qui fait vrai. C'est la haine qui est exprimée. Ce groupe qui est en volant, qui est en pays en otage. Depuis qu'ils ont senti intérêt menacé, ils ont utilisé la vie du peuple pour tout le monde, déstabiliser le pays, faire un pays invivable pour que le président soit capable de pas manier intérêt. Mais qui a fait travail pour briser ça pour eux? C'est des sénateurs de la République. Des gens qui nous votent dans l'élection, oui, qui viennent députés, qui viennent sénateurs, oui. Des gens qui sont disant leaders, qui nous supposé faire confiance, oui. Des gens qui dans l'école, qui professeurs, qui docteurs, qui dans tout, qui dans tout, comme si dans qui dans société civile. Des gens qui dans, comment ils parlent ça, non, l'église protestante, des gens avec femmes, des gens qui dans bagarre chez moi, bagarre artiste. Ils ont tout qui mettent tête ensemble, Pascal, pour travailler pour un seul petit groupe de monde qui c'est des Syriens, Libanais, Palestiniens. Des gens qui pas un crasse attachement avec le pays d'Haïti. Yo détruit un pays, yo fin avec un pays. Moi même je dis à Pascal, m'a dit nous ça honnêtement. Moi même toujours dis famille amis plateforme YouTube Fubeto ça grande solution dans pays d'Haïti. Grande solution c'est créer tout moyen pour nous pas jamais gagner ça yo comme politicien dans pays encore, ça yo comme leader, ça yo comme dirigeant encore. Et pour nous faire son chambardement total ou qui pour faire pour nous pas gagner. Et voyous, ça a mal fait que ça a comme moun qui a pris une décision dans nos nations. Oui. Parce que si pas un chambardement total qui fait dans le pays, ça veut dire qu'on a un déchoucage total. Déchoucage, c'est pas question à déchouquer magasin, moun al prendre du vin. Vole bagage, non. Tout
politicien malhonnête racketeur qui mangeait avenir et jeunesse là qui mangeait avenir plusieurs générations monde en dans pays. Comme on comprend aujourd'hui, bon génération monde qui n'est fini avec plusieurs générations monde qui n'est fini avec et aujourd'hui pour nous camper avec n'a garder yo t'a bien passé avec famille yo parce que on garder nèg l'huile là et sénateur Boublon. Il va dire Boublon. Si on en est vote les conditionnel. C'est pour mettre c'est pour qu'il y ait madame dans la diplomatie. Oui. Qui est madame? Si le gouvernement n'a pas accepté Bali, toute salle de dans la diplomatie, premier ministre ne va pas passer, non? C'est ça, oui, votre évaluation pour tout conditionné. C'est voter pour le contrôle diplomatie. Pour mettre madame lui, mettre Tibougout, mettre tout le monde qui est proche lui. C'est pour ça que vote est toujours fait au niveau parlement. Mais ce n'est pas vote qui fait pour le département côté social ni pour le pays d'Haïti. C'est grave, c'est pas extrêmement grave, oui. Mais bon, actuellement là, maintenant, qui est ce destin pays a yé? C'est dans mes colonnes gang sa yo, qui fin boulon pays, qui fin krason pays, fait des choukailles dans pays, fait payer l'ok dans pays, fait si moun pas kal l'école pendant 4 mois. Se comprenne? Mais je dis, imaginez bien parce que c'est pas extrêmement grave, oui. Ça veut dire que si moun pas l'école pendant trimestre l'école qui se passe là, non? Si moun pas rentre l'école, non? Dans pays a. Ne qui kon fait obstacle avec réouverture l'école au pouvoir, ou pensez l'école ta pouvoir dans pays a? Ouais. C'est n'est qui pas que j'aime dans ces collègues avec eux ou être l'école. Eh bien, je dis au pouvoir, quand pendant que vous dites petite masse, vous ne pouvez pas retourner sous l'école. Et jusqu'à présent, là, c'est dans force, oui, l'école a apprécié, l'école a ouvert en un pays. Tellement situation difficile, tellement pouvoir zéglendo, pouvoir assassin, pas fait rien pour permettre pareil. Et vous et petit à l'école, et ni sous plan sécurité, ni sous plan question nettoyage et au niveau vilio, ni sous question accompagnement, vous avez accompagnement social que vous avez bail par un pour faciliter si vous avez l'école. Parce que vous n'êtes pas ça, qui a dirigé l'audit, vous êtes toujours bon au slogan, tout parent qui veut dire l'école, marqué non, en bas de yo, et bien je dis à la, n'est-ce pas, vous n'êtes pas danser, coller avec l'ouverture de l'école, et tout n'est ça, pour tout le monde qui sous Chanel et Fobeto, c'est des nègres qui n'ont pas gagné petit yo l'école en dedans pays d'Haïti. Tout petit nègre, l'école là-bas. Et c'est ça fait nègre, pas jamais prendre des positions, yo pas jamais poser aucune action pour gagner des réformes qui fait en dedans système éducatif là, pour gagner infrastructure scolaire qui construit dans le pays, ou après c'est des nègres qui toujours. Et après les affaires personnelles, parce que l'école n'est pas une priorité pour eux, parce que si il y a des gens qui ont l'école, ils n'ont pas besoin de monde pour bouler caoutchouc, ils n'ont pas besoin de monde pour avoir wash sous l'autre partisan, l'autre candidat qui n'est pas d'accord avec, parce que c'est jeunesse qui n'a pas besoin d'éducation, c'est jeunesse qui n'a pas besoin de travail dans le pays, qui est utilisé pour faire toute vox sale pour eux, puis eux capables de gagner le pouvoir et puis eux capables de renouveler tête en un pouvoir politique en un pays d'Haïti. Très bien, nous capables d'ajouter ça à toute la population, ça veut dire ça, bon schéma, nous voulons le peuple à comprendre. Gen un plan, parce que Jean l'a fait, la Pascal, quelque part, ou capable de mais monsieur, un plan pour nous. Qui s'est passé? Là, ils ont organisé au jour et jour là, ça veut dire que nous capables depuis 2018, l'école ne commençait pas bien fonctionner dans le pays du tout. Pas jamais une année scolaire comme si nous avons achevé normalement. Ça veut dire que je suis capable de un plan. Et moi, après l'assassinat du président, je suis organisé pour l'école pas fonctionner même dans le pays. Et puis je regarde moi qui ça. Politicien qui parle de petit à l'école, il fait même gens avec le patron qui travaille pour lui, qui c'est le Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Pacha Vob, Dimitri Reginald Boulos, Bidjo, tout le gars compte, il fait même Javé, là il mettait petit lit. Elle prend éducation à l'étranger. Ça veut dire que moi, lui-même, là, l'école, l'icône li. Mais qui s'est passé? Moi, j'ai un plan pour payer. Moi, j'ai un plan côté que, faut toujours gagner politicien et petit politicien ça, qui pour venir sénateur, qui pour venir président. Et puis, a toujours gagné petit boulos là, la famille boulos, la famille Vob, qui a toujours là comme patron, comme maître pays. Mais, peuple, masse peuple là, lui-même, ou elle parle seulement, c'est boulet caoutchouc. C'est crasé, brisé, c'est volant bagay moun, c'est de tout bagay moun. Ça veut dire que y a pas besoin de moun sa pour aller à l'école, y a pas besoin de moun sa pour venir diriger pays encore. Ça veut dire que bon classe net, y a crasé le net ou qu'on est. Non seulement y a crasé classe moyenne, y a quitté masse là pour nous, nous avons un petit cas d'éducation, y a retiré ça dans nos net. Eh bien, je dis à la c'est 9 janvier 2023, l'école t'est doué relouvrir depuis 5 septembre 2022, et jusqu'à présent, c'est dans force, oui. Si mon apprécié a retourné sous l'école, je dis à qui c'est 9 et janvier 2023, oui. Ça fait en pile difficulté, oui. Parce que jusqu'à présent, les parents là, qui ne peuvent pas avoir rien, non.
pour acheter ni livre, ni uniforme, ni souliers, voire pour acheter un cob pour aller payer l'école. Parce que nous avons été doués année académique 2021-2022, ah oui. Et pour côté pouvoir de facto. Pardon, il y a qui fait. Ça pour tout le monde, éducation pas priorité. Yo. Priorité, yo, c'est investir dans la question, si mais la troublée, dans investir comment pour qu'il y ait plus de monde qui parle l'école. Parce que, comme vous comprenez, un groupe qui dit c'est l'autorité, et puis lorsque c'est y a touché l'argent l'État, petit pas ou l'école, et puis il n'y a pas fait rien, je dis à petit monde retourner l'école, je dis à qui c'est 9 janvier 2023, sont autres liés, oui. Parce que l'école devrait ouvrir depuis 6 septembre, l'école devrait ouvrir. Et puis je dis à 9 janvier 2023, si moun pou ka retourner sous l'école en pays d'Haïti. C'est rare, parents qui font pile fort, qui font kawe là où il y a quelques parents qui commencent à faire de toute stratégie prêter, faire et planer ça au gain pour si petit petit yo a retourner sous l'école. Et sur le plan sécurité, n'est pas fanyé. La question problème gaz toujours persister. Fatra, j'aime tout. Parce que, comme vous comprenez, je dis à la pour moi, même un petit monde d'école, c'est piqué par un piqué pied tout côté de monde, tellement de fatra dans la rivière de Brest, oui. Pendant que vous avez un CNE, qui a dépensé l'argent. Pendant que vous avez Rosemont-Pradel, fusion, et qui a gagoté l'argent, plus passer 2 milliards de gouttes, qui a gagoté en dans le ministère de travaux publics, en rien pas fait comme curage, drainage, pour te permettre filio, assaini, pour te permettre timoun, retourner sur l'école. Ça veut dire son équipe criminelle, son équipe moun, que population doit agir contre yo. L'aime parler de défoucaille, l'aime parler de chambardement, et c'est des bagages qui doivent être orientés et ciblés vers des moun qui véritable adversaire nation. Ce n'est pas des bagages, on n'est pas entré dans une petite boutique, moun qui dans même catégorie sociale avant. C'est agir contre volant qui pille l'argent de l'État. Parce que toute richesse, tout ça avec ça au possédé, tout c'est avec comme vous prenez dans la trésor public là. C'est des bagages peuple à saisir en attendant légalement l'État rentre dans le patrimoine pays. Très bien, c'est très intéressant parce que ça, il faut que la nation connaisse. Je dis encore une fois, nous. Et 9 janvier 2023, et peuple haïtien. L'hôpital fermé tout. L'hôpital général fermé, sale. Sous il dans la zone l'hôpital général. Fatra, oui, c'est plus gros indicateur qui doit dans la zone l'hôpital général, c'est Fatra. Fatra. Et l'hôpital là totalement fermé. Dans tout médecin en grève, je dis à la depuis un monde qui est dans la classe défavorisée, qui pas de corps pour aller dans gros l'hôpital. Et Pascal l'a coupé. C'est mourir ou à mourir. Tout le monde qui n'a pas de moyens pour aller dans gros l'hôpital en d'un pays. Ou là même? Nous là maintenant. Ok. Et bien tout le monde qui n'a pas de moyens pour aller payer dans l'hôpital privé, eh bien, qui s'en est que ça ou pas malade? Et si pas malade ou t'as malade, c'est moi mourir. Parce que l'hôpital public yo fermé en d'un pays. Pi gros centre hospitalier en d'un pays, sale, compétitant, c'est Ravette, c'est Rat, c'est Fatra qui en dedans. Et même devant le ministère de Santé publique, sous route Maïgatea, c'est Fatra qui adresse le ministère de Santé publique. Et qui est-ce que nous gagnons dans tête ministère? Il y a un monde qui est malade, il y a un monde qui a pipi dans le cathéter, qui c'est docteur Alex Lassen. Comme on comprend, ministre de Santé est malade et puis. Pour permettre à la population de santé. Ça veut dire, les gens qui sont ministres de santé sont les gens qui sont malades. C'est pas impossible. C'est les gens qui sont malades, oui. Alex Lassen, qui est dans la tête, qui est chez vous, oui. Chez vous, oui. C'est vrai qu'il est grave, oui, mettre là. Je ne sais pas même quoi dans le pays actuellement là. Ça veut dire que, ce sont les gens qui. Mais faut que nous rappelions pour la population à tout. Les gens qui mettent la tête dans la tête ministère à tout, c'est les unités avec les Lavalas. Oui, et, oui, c'est unité avec la valance qui contrôle et ministère de santé publique parce que depuis, parce que c'est un ministère qui est toujours bien contrôlé parce qu'il est capable de faire des idiots. Parce que je ne parle pas de l'unité. Bon, là, son sénateur, il ne faut pas oublier, il dirait les Sorel Jacet. Oui, Sorel Jacet, c'est un plus gros criminel, un plus gros volet pays à capot comme politicien, comme parlementaire. Ou pas contre ça, monsieur fait, comme. Dans le programme à terre plate là, où on est sous président Jovenel Moïse, ministre commerce à l'époque là, qui est-ce qui débat lui? Sorel Jacet. Eh bien, quand Sorel Jacet
fin manger combattre plate là qui t'est arrivé joindre petit commerçant moun pour te dégager li manger comme là li gagoter combattre plate là quand fin gagoter combattre plate là li aller en opposition avec président Jovenel Moïse. Grave oui mettre là, c'est extrêmement grave oui. En tout cas, si tu as parce qu'il connaît, s'il parle dans l'opposition, capable de gagner des poursuites et judiciaires qui fait contre lui, et bien là, le cacher dans l'opposition pour le capable de souci. Il t'a invité pour lui une belle explication, invité le ministre pour lui dire c'est persécution politique. Très bien, nous avons campé là, c'est coupé, Pascal, pour que nous tournions l'après-midi pour les grands dossiers. Et justement, dans l'émission, dernière émission, Maman Pembappé, pour l'après-midi là même. Nous avons campé avec population. Bon, après-midi, on a fait un balai, on peut te bouer sous tout reste. Et 29 volets, déchets, gangs, assassins, qui étaient dans le Parlement haïtien. Parce que nous avons fait un bouer sous tout, parce que nous avons un département. Nous pouvons passer pour un département nord, département et grand, nous avons passé pour un tout assassin. Et effectivement, pour permettre chaque population calée pour nous connaître qui assassin, qui t'a dirigé pays, qui assassin qui t'a fait, par le, qui t'a caché dans le Parlement, qui t'a pas parlé. Et costume parlementaire, mettez sous deux, puis vous êtes capable de faire crime, puis vous êtes capable de voler, puis vous êtes capable d'assassiner, puis vous êtes capable de blanchir l'argent, puis vous êtes capable d'alimenter l'insécurité en pays. Très bien, nous avons annoncé la population, nous avons tourné avec dossier sanctions, hein? Et en plus, nous avons tourné avec chaque green neck, dans qui parti politique qui sorti, qui parti politique qui est plus vicieux, qui est plus passé, qui est de pays, qui politicien, qui est dans le système politique. Ça. Après-midi, je ne vais pas nous mentir, je ne vais pas nous là. Soit émission tête chargée, monsieur garçon pas campé, ou quand ça me dit debout pas propre ou pas carré émission ça, parole qui parle dire pape fort bien et me pas ba nous mentir c'est vérité a qui pour parler parce que abcia il doit éclater dans mitan boule figure criminel yo. On conclut Pascal définitivement pour que nous tourner après-midi. Bon, nous remercions tout le monde qui t'a suivre nous sur gros channel ça qui c'est channel Info Beto et de nous dire c'était Pascal Guéjuste, depuis la Cour de Port-au-Prince, qui t'a analysé, qui t'a informé et qui t'a éclairé en telle population, qui t'a aidé nous comprendre et l'actualité politique là, qui t'a dénoncé Zach malhonnête, un paquet criminel à faire dans le pays. Et bien nous casser rendez-vous avec vous et après-midi pour une émission Maman Pemba pour nous continuer de travailler là, pour nous continuer de dénoncer, pour nous continuer de retirer tout. Et Lyon qui prend pour mouton, mettez sous deux pour nous faire connaître Lyon, pour nous faire connaître cochon, c'est pas bon moun, c'est assassin, yo pas innocent dans sa pays à connaître jeudi. Très bien, merci en pile. Pascal Kembela, rendez-vous cassé pour après-midi. Voilà, ensemble avec nous, c'était Pascal depuis dans la cour pays d'Haïti, papa ici. Nous avons fait si bas de bouche sur ça qui est pour avec et dossier qui a dominé l'actualité surtout avec 10 volants qui nous prennent dans notre pays. Effectivement, m'a cassé rendez-vous normalement ensemble avec nous et après-midi hein, et pour notre émission tête chargée, émission dossier garçon pas campé et qui va le passer sur plateforme Panouance qui c'est plateforme YouTube Info Beto à partir de 6h PM dans le pays d'Haïti. Kembela Balagé, nous t'es content ensemble avec nous. Info Beto.